Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends les plus bénis des réunions. Encore une fois, plus de 1000 personnes, des véritables croyants, des vrais croyants se sont rassemblés ici, venant de toute l'Europe et aussi d'outre-Atlantique, d'outre-mer. Ils sont venus se joindre à nous pour écouter la vraie parole du Dieu Tout-Puissant. Rassemble-moi, mon peuple, afin qu'ils puissent entendre ma parole. Beaucoup de choses sont arrivées depuis décembre de l'année passée. Nous allons nous référer à quelques-unes d'entre elles. Premièrement, je voudrais dire que en février, nous avons tenu des réunions merveilleuses, des grandes réunions au Portugal et aussi au Pakistan. Personne, nul ne peut s'imaginer ce que cela veut dire pour moi de voir 5000 personnes rassemblées dans les rues de Lahore, une ville, la ville qui est au centre du Pakistan, dans une république islamique. Mais depuis 1972, j'ai apporté le message dans ce pays. Et maintenant, des milliers se rassemblent pour entendre la vraie parole de Dieu. Dans une réunion en plein air, et mes bien-aimés frères et sœurs, la même chose s'applique dans tous les autres différents pays sur la terre. Dieu est en train d'appeler son peuple et nous pouvons dire, comme notre Seigneur et Sauveur l'a dit dans Luc chapitre 4, quand il a lu du prophète Ésaïe au chapitre 61, il pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vos yeux. Par la grâce de Dieu, nous vivons dans un temps, dans une génération où les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir avec l'Église et avec Israël et bien entendu avec toutes les nations. Tous ont entendu la déclaration de Trump le 6 décembre 2017. Il a déclaré que Jérusalem est la ville, la capitale d'Israël. Et amis, Jérusalem a toujours été la ville de Dieu avec le peuple de Dieu depuis 3300 ans. Et ça n'a jamais été la capitale d'une autre nation ou d'un autre pays. Et quelque chose de très spécial est arrivé. Le gouvernement en Israël, sous la direction du monsieur Netanyahou, que nous apprécions beaucoup, et en plus de cela, quelque chose se passe au sujet de la reconstruction du temple. Et ici, nous avons plusieurs photos, des différentes photos de la pièce qui doit être émise en Israël pour montrer
trois hommes spéciaux, Cyrus, le premier dans le royaume perse, après la captivité babylonienne, à la fin de la captivité babylonienne et la première année, Cyrus, que l'homme avait utilisé pour déclarer que tous les Israélites doivent retourner à Jérusalem et le temple doit être rebâti. Vous pouvez lire cela dans un certain nombre d'écritures, dans 2 Chroniques, le dernier chapitre, les dernières paroles, et dans Esdras et dans Néhémie. Et maintenant, sur cette pièce, il y a 3 noms, Cyrus, ensuite Balfour, qui avait fait la déclaration le 2 novembre 1917 en tant que ministre des Affaires étrangères britannique que les Juifs ont le droit et doivent retourner dans leur patrie. Et bien entendu, M. Trump doit aussi apparaître sur cette pièce, Cyrus, quand la captivité babylonienne était terminée, ensuite, par la grâce de Dieu, même Trump, avec sa déclaration, mais bien aimé, si vous lisez ce qui est en train d'être dit dans la presse, maintenant, ceux qui sont responsables pour la reconstruction du temple, responsables pour imprimer cette pièce en Israël avec ces 3 hommes, Cyrus, avec Balfour, et ensuite avec Trump. Maintenant, ils ont demandé à Trump qu'il doit prendre la deuxième étape et il doit déclarer que le temple doit être rebâti comme la déclaration de Cyrus était faite quand la captivité babylonienne était terminée. Ainsi, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas aller dans tous ces détails. J'espère que je peux écrire dans une lettre circulaire montrant dans de la sainte parole de Dieu que le temple sera rebâti et selon Apocalypse chapitre 11, le temple sera mesuré et aura les mêmes mesures comme étaient le premier et le deuxième temple. Et si vous lisez dans Ézéchiel, au chapitre 47, vous lisez au sujet du temple. Et si vous allez dans Zacharie, le dernier chapitre, vous lisez ce qui se passe dans le temple. Ainsi, mes bien-aimés, pour que nous soyons certains, sûrs, que nous comprenons le temps dans lequel nous vivons, nous sommes très, très proches de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parce que le ministère des 2 prophètes ne vont commencer que quand cette dernière année vont commencer, au moment où le traité sera fait entre l'Union européenne et soyons honnêtes, entre le Vatican représentant l'Europe et le dernier empire mondial, le prophète Daniel n'a vu que 3 empires mondiaux, le babylonien, le médo-perse, le grec et le dernier, et c'est l'empire romain. Et maintenant l'empire romain
reprend l'existence. Et quand M. Trump, quand va faire sa part, alors l'Union européenne va prendre le dessus et l'alliance sera faite entre Rome et Israël et les nations autour. Mais comme je l'ai dit, dans ce court message, nous ne pouvons pas aller dans ces détails. Mais maintenant, qu'en est-il de notre part? Qu'en est-il de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ? Je dois le dire aussi, maintenant, nous sommes connectés au monde entier. Et ici, il y a 92 salutations venant de toute la terre. Des frères de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des États-Unis, du Canada, dans tous les autres continents, ils nous envoient des salutations et se joignent à nous pour entendre la vraie parole de Dieu et sont mis à jour dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, je porte une responsabilité devant Dieu. Je vais aussi écrire sur cela, Dieu voulant. Mais je regarde en arrière à mon temps. Il y a de cela 70 ans que j'avais consacré ma vie au Seigneur, en 1948. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai rencontré Frère Branham, mais avant que je rencontre l'homme envoyé de Dieu, j'avais rencontré le Seigneur Jésus-Christ en tant que mon sauveur personnel. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et depuis 1955, j'ai pu connaître le ministère de Frère Branham. Bien-aimé, en 1958, quand j'ai entendu, je l'ai entendu pour la deuxième fois et que j'ai pris part aux réunions, j'ai entendu le mot « message » pour la première fois, en juin 1958. Et Frère Branham a dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Ainsi, par la grâce de Dieu, je crois que William Branham était un prophète promis pour notre génération, pour cet âge. Le prophète promis de Malachie, chapitre 4, confirmé par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 11, dans Marc, chapitre 9, verset 12. J'ai vu son ministère, j'ai expérimenté son ministère et par la grâce de Dieu, nous avons pu comprendre que nous vivons très proche de la seconde venue de Christ. Mais c'était quoi le mandat? Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Bien-aimé, si je fais encore cette remarque, pardonnez-moi, mais lors de la dernière semaine, j'ai reçu un brouillon avec 40 noms de ceux qui traduisent les prédications de Frère Branham dans d'autres langues. Mais ils vont tous dans des différentes directions et ils ont des différentes interprétations et égarant le peuple et utilisant la terminologie, le prophète a dit, le prophète a dit. Et chacun interprète les déclarations de Frère Branham et les met selon leur propre point de vue et leurs enseignements. Mais bien aimé, le temps est arrivé. S'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. À Frère Branham, il fut dit, de même que à Moïse, il fut donné deux signes. Il t'a été deux signes. C'était quoi ces deux signes? C'était le temps d'appel à sortir.
laisse mon peuple, mon fils aller, partir. Est-ce qu'il y avait une division? Est-ce qu'il y avait une division quand Cyrus avait donné le commandement, l'ordre de retourner à Jérusalem? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens aller dans différentes directions? Non. Où tout le peuple de Dieu devait retourner à Jérusalem, à l'endroit pour rebâtir le temple. Est-ce qu'il y avait des différentes directions? Dans les jours de Moïse, il n'y avait qu'un seul prophète. Et c'était Moïse. Et la parole de Dieu est venue à lui, et bien entendu, quand Moïse est mort, Josué fut utilisé pour conduire le peuple dans la terre promise. Ainsi, dans notre temps, Dieu a utilisé William Branham pour nous ramener à la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Tous les mystères furent révélés. Et nous distribuons tous les mystères partout sur la terre. Et l'épouse n'est pas divisée. L'épouse n'est pas conduite dans différentes directions. L'épouse croit que la parole de Dieu, aucune interprétation, aucune explication, aucune fausse doctrine est dans la véritable Église et épouse du Dieu vivant. Oh, tous les frères qui égarent, ils sont séduits. Ils n'ont pas reçu un appel, ils n'ont pas reçu un mandat, ils bâtissent leur propre royaume et déclarent être dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes que en Dieu que si vous êtes dans la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous n'êtes pas en Dieu. Et notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, tous ceux qui sont de Dieu entendront la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean a dit, nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Écoutez-vous? Qui suivez-vous? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le retour de notre Seigneur est très proche. Et William Branham, le prophète de Dieu, a dit, si vous voulez connaître le temps dans lequel nous vivons, regardez vraiment à Israël. Israël est une nation depuis 1948. Et maintenant, la déclaration au sujet de Jérusalem est maintenant, très bientôt, dans notre temps, va suivre la déclaration de la reconstruction du temple. Et, mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas voir cela, parce que Frère Branham a dit, cela arrivera en même temps, plus ou moins au même temps, l'alliance entre Rome et Israël, et l'enlèvement sera plus ou moins au même temps, parce que le ministère des deux prophètes va commencer après que l'alliance soit faite. Et après 3 ans et demi, l'alliance sera brisée, rompue, mais je dois écrire au sujet de ces choses encore une fois. Mes bien-aimés, je dois clôturer. Je suis tellement reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant pour sa sainte parole. Et je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant de nous avoir envoyé un serviteur, un prophète, et je suis très reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant de m'avoir appelé avec une voix audible pour prêcher sa parole et pour distribuer la nourriture. Je suis reconnaissant envers Dieu d'avoir ouvert mes yeux, ma compréhension spirituelle, et aussi la même chose s'applique à tous les vrais enfants de Dieu partout sur la terre. Nous avons reçu la même révélation par le même Saint-Esprit et nous suivons Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Israël est retourné dans sa patrie, l'Église du Nouveau Testament
est maintenant en train d'être restauré et retourne à Jérusalem. Nous ne sommes pas allés à Rome, nous ne sommes pas allés à Nicée, mais nous sommes retournés à Jérusalem sur le même fondement posé par les prophètes et les apôtres. Et notre Seigneur va achever et va terminer son œuvre de rédemption dans notre temps, et nous allons être pris dans la gloire, et Dieu va achever son œuvre avec les Juifs, et tout arrivera, le règne de 1000 ans, et finalement, les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Amen.